Lily Rose Depp a officialisé sa relation avec sa compagne, la rappeuse O7 O'Shake, en mai dernier. Elles vivent désormais leur amour au grand jour et ont été vues ensemble à Los Angeles. Balade, resto et dîner entre amis, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp semblait aux anges. Lily Rose Depp et la rappeuse O7 O'Shake, de son vrai nom Danielle Balbuena, sont en couple depuis plusieurs mois maintenant. Le 31 juillet dernier, les deux jeunes femmes ont été aperçues en train de déjeuner dans un restaurant à la sortie d'un marché de Los Angeles. Vêtue d'un top d'ONU à manches longues bordeaux avec un short blanc et des bottines noires, la comédienne et mannequin de 24 ans a été vue enlaçant sa compagne en quittant la terrasse du restaurant. Danielle portait, quant à elle, une tenue dans les tons bleus avec un jean et une veste à effet délavé. Vendredi 4 août, Lily Rose et Dani, comme elle la surnomme, ont, cette fois-ci, été photographiées se rendant chez un ami, toujours à Los Angeles, pour passer la soirée. Lily Rose Depp portait une petite robe blanche avec des escarpins assortis et un ruban dans les cheveux pour maintenir son chignon. La rappeuse avait, elle, opté pour un look moins girly avec une veste à carreaux, un jean et des Santiago. Cette dernière avait apporté un bouquet de roses de différentes couleurs alors que la fille de Vanessa Paradis avait opté pour une bouteille de vin. Pour rappel, le couple a officialisé sa relation le 12 mai dernier. Lily Rose Depp avait posté une photo sur Instagram pour célébrer les premiers mois de leur relation. Sous ce cliché, où elles échangeaient un baiser, la fille de Johnny Depp écrivait « 4 mois avec mon crush ». Elles avaient déjà été aperçues ensemble à plusieurs reprises, notamment lors de la Fashion Week de Paris, sans pour autant que leur divine idylle ne soit officialisée. Danielle Balbuena, célèbre sous le nom de O7 O'Shake, est une rappeuse originaire du New Jersey repérée par Kanye West il y a quelques années. L'ex-mari de Kim Kardashian conquis par sa plume et son style l'avait même invité sur son album baptisé I. En 2018, Danielle confiait dans une interview accordée au site Pitchfork qu'elle n'aimait pas s'identifier comme gay ou queer. Jamie Leffy, si estime tout, insistait-elle. Quelques années auparavant, Lily Rose Depp, qui est sortie avec Timothée Chalamet, confiait au magazine Nylon qu'elle ne souhaitait pas définir sa sexualité. Lily Rose assurait, les jeunes de nos jours ne le font pas et je trouve ça très cool. Si vous aimez quelque chose ou quelqu'un, foncez, et si vous aimez autre chose le lendemain, pas de problème. En juin dernier, l'actrice franco-américaine partageait une photo d'elle et de sa compagne pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'amour de sa vie.